Anna suivait des études de vétérinaire lorsque la guerre éclata. L'armée allemande n'était qu'à 30 km de Paris lorsqu'une lettre de son père lui parvint. Il était en bonne santé et lui conseillait d'attendre la fin du conflit avant de rentrer en Belgique. Mais attendre ne faisait pas partie du vocabulaire d'Anna. Paris, France, 6 septembre 1914. Bon, ça fait 1 million d'années que j'ai pas touché à... Ok, j'ai récupéré un truc. Très bien. J'ai récupéré un autre truc. Ça fait 1 million d'années que j'ai pas touché à ce jeu. Non pas qu'il n'était pas bien, mais... J'étais sur d'autres choses. Le père d'Anna, du coup, c'est l'espèce de... Enfin, c'est le mec qu'on a vu dans... Ok. Totalement géré le truc. Ah, d'accord. C'est quoi pour lancer? c'était le mec qui était dans le Zeppelin avec... Ok, d'accord. Faut prendre quand il passe par-dessus. Par-dessus le balcon, bien entendu, qui était dans le... Donc le mec qui était dans le Zeppelin avec... avec l'ami Karl. Et monsieur le baron. Allez, moineau. Viens par ici. Il veut pas venir, vraiment. Oh yes. Hop là. C'est pour la grande porte. Complètement pour la grande porte. Bonjour, toi. Attends. Qui appelle? Ah, t'appelles pour le journal. Wow. Bon sang, les taxis à la barre. Les mobilisations des taxis parisiens. Mobilisons les taxis de la Marne. Hop. Merci bien. Et il faut... Une roue. Il faut complètement une roue. Et il te faut... plein d'autres choses. Visiblement. Il te faut visiblement plein de choses. Ça là. Ouais. Eh ben. Oh, je vois. Ah non, c'est un triangle. J'ai cru que c'était un carré. Je sais pas pourquoi. Et j'en ai aucune qui fait la forme d'un triangle. Si, celle-là, ça peut rentrer dans un... Il peut prendre le triangle, lui. On est bon, là? Le carré, c'était pour là-bas. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres trucs? Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas m'absenter 2 secondes sans qu'il se passe un drame. Tiens,
Tiens. Oula, oula, oh, oh. C'est bon, j'ai enlevé tous tes signes vitaux. C'est bien plat. Pip. Ouais, ma jambe est morte. Service. Oh yes. On va mettre ça dans un bon gros moteur. Ça va le refroidir. Olé, pigeon. Tayo. Tayo le taxi, Tayo. Mais je l'ai le... Ah non, d'accord, c'est vide. Très bien. Je comprends tout. Loup, loup, loup. Ah ouais. À l'assaut des taxis. À l'avant. Tut tut. Attends, on est vite. Oh là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Waouh, 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 waouh. Dangereux ici. Chauffard. Ouf, ouf, ouf. Oula, 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 bon sang, va ah. Les rues parisiennes de nos jours. À la bonne voie de voisin. Ok, 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 on est bon, on est bon, on est bon. Oh. Hello there. Oh. Et ils essaient de me tuer ou quoi? Ne faites pas ça chez vous. Ah! On est bon, on est bon. Ah, oh. Septembre 1914. Les taxis avaient roulé toute la nuit. Anna était fière de pouvoir aider les soldats à rejoindre le front. Tellement fière qu'elle a doublé tout le monde. Lorsqu'Anna atteignit sa destination, elle découvrit l'horrible vérité de ses propres yeux. Médic! Médic! On a besoin d'un médic! Elle arrive! Elle arrive! Tout va bien. Ok, ok. Oula. Tu vas avoir mal. Médic. 7 mois passèrent, durant lesquels Anna, mue par une compassion sans faille, s'engagea corps et âme pour apaiser les souffrances et les maux des valeureux soldats. Chaque vie sauvée était une victoire sur la guerre. Mais la guerre ne finissait pas. Ouais, 1914, t'as encore le temps, hein. 1915. Ok, besoin d'un médic par là-bas. Très bien. Médic. Il faut une scie.
trouver. On va chercher bien loin, toi. On va vraiment lui suivre la jambe. Hein. Non. T'as pas mal. T'as une main moins, c'est bon? Oh. Il est sauf. Regardez ça. Toujours servir. Tes chaussettes. C'est quoi ce truc? Alors, visiblement, il y a une manette de l'autre côté qui permet de faire quelque chose. What? Il faut un truc pour écouter. Oh, avec la scie, je peux couper ça. Ok, d'accord. J'ai gagné une écharpe. Oh, j'ai pas oublié de prendre la scie de nouveau. Ah, d'accord, je peux pas porter les deux. Bon, on va prendre ça. Ah non, c'est lui qui a besoin d'un truc. Lui, il a besoin de ça. Et l'autre, il a besoin d'eau, donc l'eau, ce sera avec ça, j'imagine. Ok, ok, ok. Ça va aller, mec, ça va aller. Pour l'eau, on va poser ça là-bas. Tac. On va activer ça. Vous inquiétez pas, les mecs. Tout va bien. On a juste gâché la moitié de l'eau du bidon. Mais autrement, tout va bien. Tiens. Bon, lui ça va, il lui fallait juste de l'eau. Le mec il pouvait pas se lever chercher de l'eau. Quoi. Bon, et lui il faut une béquille. Par là y a rien. Il y avait un morceau de machin. Super. Ouais, ça va, ça va. Commence pas. Oh. Oh, bé. Pardon, je vais lui chercher sa croix. Eh oui, bah moi je veux bien te rapporter ton truc, mais je sais pas où c'est. Oh. Ça, ça ressemble un peu, non? Ça tirait? Tu peux te... Bon, tu vas un peu t'enfoncer dans la terre, mais... Ça devrait être pas mal. T'as un truc à me donner, ou... Non, tu te casses juste. Ouais. Bah écoute, j'ai été heureux de pouvoir te rendre service. J'ai toujours pas utilisé le foulard. L'écharpe. Du coup, on va la prendre. Parce qu'on sait jamais. Ok, qu'est-ce que t'as, toi? Oh non! Oh non!
Ah! Potion magique! Je crois que je me suis loupé une fois. Bah, je t'en prie. Ah! Qui demande de l'aide par là-bas? Oh non, il y en a un qui a encore envie là-dedans. Oh, sérieux. Ah, c'est un Allemand. Mais on va t'aider quand même. Hein. Ah, shit. Désolé. Pas mal. Je t'en prie. Les officiers français parlaient de la Belgique. L'armée allemande était sur le point d'essayer une nouvelle arme dans la zone d'Ypres, la ville natale d'Anna. Oh non! Anna prit la route pour avertir son père du danger. Arrivée aux abords de la ville, elle fut accueillie par les hurlements des sirènes. Uh-oh. On va soigner la ville. Les gaz l'avaient précédée. Non.